Sandrine Quétier en veut à mort à Laetitia Hallyday, cette implacable décision qui ne passe pas. Après avoir renoncé à l'animation et à sa carrière de présentatrice, Sandrine Quétier s'est lancée dans une carrière de comédienne et de musicienne. Mais une décision de Laetitia Hallyday vient chambouler ses plans. L'ex-présentatrice de Danse avec les Stars se produira fin mars sur Réservoir à Paris avant d'entamer une tournée française. Mais ce dernier projet risque d'être chamboulé par une décision de Laetitia Hallyday, très pointilleuse lorsqu'il s'agit de défendre ses plates-bandes. Sandrine Quétier devait en effet assurer la première partie de Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny, qui gagnait le concours La France a un incroyable talent sur M6. Laetitia Hallyday et son manager Sébastien Farran, soucieux de protéger les intérêts de Johnny Hallyday, ont pris la décision de s'opposer à cette tournée des Zénith prévue cet été. Pour l'heure, les tractions continuent et aucun accord n'aurait été trouvé. Lors d'un entretien accordé à Téléstar, Jean-Baptiste Guégan affirme pourtant avoir fait tout dans les règles de l'art et dans le plus profond respect de Johnny. Et si une interdiction devait être demandée, il ne comprendrait pas.